Tu es le même. Illumine nos vies par ta parole, car nous avons soif et faim. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? On peut acclamer. On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclame Dieu. Ah, on a un commis problème. Acclamons pour la gloire de Dieu. Moi, je suis en train de dire pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'ai dit pour la gloire de l'Éternel. J'ai dit pour la gloire de Shama. J'ai dit pour la gloire de Rapha. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut témoigner que Jésus est vivant? Est-ce que quelqu'un peut témoigner que Jésus est bon pour lui? Amen. Vous savez, si on dit au bébé de pousser des cris, ils vont le dépasser. Des bébés, de pousser des cris de joie. Alléluia. Est-ce que l'église peut pousser des cris de joie pour notre roi? Est-ce qu'on peut accueillir Jésus, le roi des rois? Est-ce qu'on peut accueillir notre sauveur? Amen. Laisse-moi te dire que je suis dans la joie. Ah, laisse-moi te dire que je suis dans la joie. Ah, laisse-moi te dire vraiment, je suis dans la joie. Maman, laisse-moi te dire que Nazana est single. Mon frère, laisse-moi te dire que je suis dans la joie. Amen. Te voir, c'est la joie. Être devant toi, être devant son peuple, c'est un grand plaisir. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Oh, cela témoigne encore combien notre Dieu est merveilleux. Nazomonozongela, je te vois en train de briller. Je te vois en train d'être... Il y a une forte lumière en toi. Non, je te vois en train de briller. La grâce est sur toi. Ah non, la grâce est sur toi. La grâce est exceptionnelle. Parce que Marie a trouvé grâce auprès de toutes les femmes. Oh, j'ai dit que la grâce est avec toi. Et quand la grâce est avec toi, cela donne la joie. Cela donne la tranquillité. Quelqu'un qui n'a pas mangé, mais il est dans la joie. Quelqu'un qui n'a même pas un héros, mais il loue Dieu. Quelqu'un qui n'a rien réussi aujourd'hui, mais la Bible nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il bénit Dieu par rapport à des choses qu'il a déjà accomplies. Oh non, cet après-midi, j'ai béni Dieu pour ce qu'il a accompli dans votre vie. Oh, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Ce que Dieu a accompli, aucun être ne peut accomplir. Oh, j'aimerais te faire révolter aujourd'hui. Oh, j'ai béni Dieu. Quand je dis j'ai béni Dieu, tu dois comprendre que Dieu a tellement accompli des choses dans notre vie. L'année passée a été dure. Il y a eu des combats. Il y a eu des réalités, des circonstances graves. Mais la grâce de Dieu n'était pas loin de nous. La bonté de l'Éternel était avec nous et nous a accompagnés durant cette année difficile. Et laisse-moi te dire, peu importe des difficultés ou des fléaux peut toucher durant cette année, la main de l'Éternel sera avec toi. Ah, je parle, sera avec toi. Tu sais, quand quelqu'un te tient la main, il est puissant, il est fort, ça te donne l'assurance. David disait, ta parole, c'est un Seigneur. Je le serre dans mon cœur et je marche en assurance. Et celui qui a la parole ou celle qui a la parole a l'assurance. Parce que la parole donne la vie. La parole fait réveiller quelqu'un qui dormait en lui disant, non, tu ne resteras pas ainsi. La parole, c'est la clé de toutes sortes de mystères qui peut changer le cours d'une vie en un clé d'œil. Rien qu'en recevant la parole, la vie peut changer. Oh, je déclare que la vie d'un enfant de Dieu change. Et j'aimerais dire que, rappelez encore, nous sommes, là, cette année que nous sommes, c'est l'année de restauration divine. Restauration divine. Et l'homme peut restaurer un corps par des soins, par des traitements, il a des limites. Mais quand Dieu veut réparer quelque chose, c'était choquant pour lorsque Jésus avait déclaré
que le temple de Jérusalem sera détruit. La temple qui a pris 100 ans de construction, mais ça sera ce qui est construit dans 3 jours. Alléluia. Non, parce qu'il était capable de le faire. Et j'aimerais interpeller un peuple de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, le commencement. Nous devons se rendre compte que Dieu a tout créé. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu a tout créé. Tout était bon. Tout a été déjà fait. Mais Dieu a pris une décision, une résolution d'ajouter un être suprême par rapport à ce qui existait déjà. Alléluia. Je lis la parole. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Et nous venons de lire que puis Dieu dit, c'est la décision, c'est Dieu qui a décidé. En disant: faisons l'homme à notre image. Donc, c'est-à-dire, Dieu a créé, rien ne se ressemble à l'Éternel. Mais Dieu a décidé, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. J'aimerais qu'on saisisse le début de ce message, ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Dieu a pris la décision de créer un être. Et si vous revenez en arrière, Dieu a tout créé. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe. Et les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Et c'était le commencement. Et après avoir tout créé, Dieu a décidé. Tout était bon. La création est déjà finie. Mais Dieu a dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oh, je te vois, je te regarde, tu ressembles à Dieu. Je vois, je te regarde, tu ressembles à l'Éternel. Et non pas seulement Dieu a créé l'homme, parce que dès seulement c'est ressembler à lui, afin qu'il domine. Alléluia. Sur les oiseaux de la mer, et sur les poissons, les oiseaux, sur les animaux, les dominer sur toute créature. Faisons-lui afin qu'il domine. Laisse-moi te dire, l'homme a été créé. Qui a été créé pour dominer? Alléluia. J'ai été créé pour dominer. Et j'ai la ressemblance de Dieu, car Dieu sait dominer. Il est au-dessus de tout. Et rien ne s'oppose à sa volonté. Alléluia. L'homme a été créé pour dominer. J'ai été créé. On a été créé pour dominer. Enfin qu'il domine. La première domination, nous devons se rendre compte, Dieu a parlé que nous devons dominer sur les serpents, dominer sur les oiseaux, dominer sur les poissons, dominer sur toute la terre. Et Dieu a eu la responsabilité de tout contrôler. Alléluia. Et jusqu'à présent, l'homme contrôle la terre. Bien qu'on peut faire nos erreurs, on continue à faire des erreurs dans la manière de contrôler. L'injustice est revenue. D'autres veulent avoir plus, d'autres veulent souffrir. Laissez l'autre souffrir. Mais l'homme a été créé en fait de dominer. Et la première domination n'était pas spirituelle. Et lorsque vous allez se rendre compte, cette parole a été déclarée, l'homme n'avait pas encore échoué. Mais après un moment donné, l'homme a échoué. Et lorsque l'homme a échoué, soudainement l'homme a beaucoup perdu. Alléluia. Vous devez se rendre compte, lorsque l'homme a été rejeté du jardin d'Éden, le plus grand que l'homme avait perdu, ce n'était pas le jardin, mais c'était il a perdu toute autorité sur des animaux. Vous allez voir, si vous allez arriver à partir de Genèse chapitre 3, verset 15, vous allez voir, la Bible déclare: je mettrai même une amitié entre la femme et les serpents. Et là, Dieu a mis aussi des promesses en disant qu'à travers cette même femme que le péché est entré, et cette femme engendra un enfant, et cet enfant écrasera la tête du Satan ou la tête du serpent. Oh, j'aime bien des femmes
Parce que les promesses de Dieu a été déclarée et Dieu a accompli cela. Alléluia. Je me redis tout simplement à travers cette parole que nous venons de lire. Je me redis à un enfant de Dieu, ne pleure pas. Même s'il y a des combats, des réalités, des circonstances qui te traversent, ne lâche pas et n'abandonne pas. Car Dieu va changer ta nature. Oh, je dis car Dieu va changer ta nature. L'on peut avoir la nature d'échec. Mais laisse-moi te dire, lorsque la parole arrive dans une vie, lorsque la parole descend dans un corps, la parole donne la vie et la parole rend l'homme puissant. Alléluia. Et on a appris, quand on a commencé, à ce qui concerne Moïse, Moïse avait un bâton qu'il utilisait pour son travail. Mais il ne savait pas que si Dieu parle, si Dieu dit un mot, son bâton peut devenir un serpent. Alléluia. Et nous avons appris que Dieu peut utiliser n'importe quelle chose, peu importe les choses, pour faire un miracle. Et nous devons se rendre compte, et si tu comprends, si je comprends, de quoi est-ce que Dieu peut faire à travers sa parole, si je reçois la parole de Dieu, ta vie ne sera plus la même. Ah, ta vie ne sera plus la même. Je me le dis tout simplement cet après-midi, si tu étais dominé, voici l'heure est arrivée que tu puisses dominer maintenant. Ah, ton amen ne me convainc pas. Si autrefois tu étais dominé à cause de la parole de Dieu, l'heure est arrivée d'être dominé maintenant. Amen. Comment? Je vais bien expliquer cela. Vous allez se rendre compte que Moïse a été chassé de l'Égypte. Il était incapable de se défendre lui-même. Mais lorsqu'il a reçu la grâce de Dieu, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, celui qui marche avec la parole est capable de faire taire toute forme de science occulte, est capable de faire taire toutes les formes d'esprit maléfique, parce que l'autorité de Dieu est sur lui. Oh, le cœur de ton ennemi sera dur, mais laisse-moi te dire que tu vas vaincre. La guerre sera longue et populaire, mais tu sortiras vainqueur. Oh, jamais tu seras vaincu lorsque la parole de Dieu descend sur toi. C'est pour cela que Dieu a promis à Moïse. Écoutez Moïse, les peuples sont durs, ils ne sont pas faciles à écouter ma voix, mais laisse-moi te dire, va vers mon peuple, dis-leur que je suis celui qui suis. Oh, j'aimerais te dire que Dieu est là, j'aimerais te dire que Dieu est réel, j'aimerais te dire que Dieu opère, j'aimerais te répondre que Dieu a préparé quelque chose d'extraordinaire pour votre vie. Quand Dieu prononce quelque chose, comme il a dit au commencement, faisons l'homme enfin qu'il domine. Quand Dieu déclare que tu deviens supérieur, automatiquement tu deviens supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse pensait que c'est fini. J'avais échoué, j'ai commencé une nouvelle vie. Mais Dieu a préparé un projet pour travailler avec Moïse. Oh, laisse-moi te dire que ton corps soit un instrument que les gens vont expérimenter, que nous prions un Dieu puissant. Oh, que ta vie soit un instrument que les gens vont expérimenter ici à Saint-Brié, que notre Dieu, il est un véritable Dieu. Si des gens peuvent avoir des doutes, nous allons leur dire tout simplement, il est vivant. Et que Emmanuel est toujours parmi nous. Nous leur dirons, comme Moïse a dit, Jésus m'a envoyé, nous allons leur dire que Emmanuel est toujours là. Et lorsque la parole descend dans la vie d'une personne, cela restaure. Effectivement, vous allez se rendre compte que l'homme a nommé tous les animaux de la terre. L'homme continue même à chercher des espèces rares. Quand l'homme trouve quelque chose, il est capable de lui donner n'importe quel nom. Même si c'est un morceau d'os ancien, il donne le nom qu'il veut. Alléluia. Parce que tout simplement, parce que c'est lui qui a trouvé. C'est l'autorité que Dieu a donnée. Mais laisse-moi te dire, si ce soir nous sommes ici, parce que Dieu veut augmenter ton autorité. Ah, que Dieu veut augmenter ton autorité. Vous savez, quand tu es soldat, tu es caporal, tu peux commander quelqu'un qui veut d'entrer. Mais tu as des limites, tu ne peux pas commander un général. Mais lorsque la grâce de Dieu descend sur une vie, lorsque la parole entre dans un corps, lorsque Dieu déclare quelque chose dans votre vie, Dieu te donne l'autorité de dominer tous tes esprits impurs, de dominer toute autorité maléfique. Il te rend au-dessus de tout nom. Parce que le nom de Jésus t'amène au-delà là où tu ne peux pas atteindre. Cet après-midi, j'aimerais déclarer quelque chose pour la vie d'un enfant de Dieu. Oh, que Dieu déclare quelque chose. Nous allons le lire dans Psaume. Psaume 68. Psaume 68.
Puis Psaume 68, nous allons lire les versets 29. Vous y êtes? J'ai lu la parole. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Encore une fois. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ah, est-ce quelqu'un qui celui qui acclame la parole là est pour lui? Non, celui qui acclame la parole là est pour lui. Alléluia. Que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que ton Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a un Dieu cet après-midi. Je ne sais pas si quelqu'un croit qu'il a un Dieu. Que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois affermi. Des choses que Dieu a préparées, de le faire, d'accomplir. Que Dieu accomplisse cela. Que ton Dieu ordonne. Oh, c'est ça notre thème de cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec fierté? Ok, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si tu n'étais pas puissant avant, si Dieu donne l'ordre, oh non, tu deviens puissant. Quand Pharaon voyait Moïse, il pensait à la Moïse qui était élevée chez lui. Quand des gens te verront, ils vont penser que c'est la même personne. Moi, je te dis, lorsque l'ordre de Dieu a été donné dans votre vie, tu deviens puissant au nom de Jésus. Je parle à un enfant de Dieu. Si un sorcier autrefois a touché votre vie, maintenant que tu deviens puissant, lorsqu'il va toucher ta vie, oh, il va tomber au nom de... Vous savez pourquoi Dieu a promis à Moïse que je rendrai le cœur de Pharaon dur? Parce que tout simplement, il savait que Pharaon doit minimiser Moïse. Élisée tokola na yoti. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Alléluia. Mais quand Dieu te rend puissant, quand Dieu change ta personne, quand Dieu te rend puissant, même une force maléfique qui tente à te toucher va tomber au nom de Jésus. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand tu aimes Dieu, quand Dieu rend ton nom puissant, quand Dieu rend ta personne puissante, quand tu vois les résistances de l'ennemi, c'est qu'ils ont peur. Ils pensent que demain tu vas lâcher. Ils pensent que quelque part tu vas abandonner. Ils pensent que quelque part tu vas céder. Ne cède jamais quand Dieu rend ton nom puissant. Que Dieu rend ton nom puissant. Vous savez, il y a des noms. Un sorcier pouvait appeler avant. Mais quand il devait en Jésus, il voit le feu. Que le feu de Dieu tombe devant tes ennemis au nom de Jésus. Parce que ton nom est devenu puissant. Ta personne est devenue puissante. Parce que Dieu a changé ton identité. Alléluia. Si j'aimerais dire à un enfant de Dieu, l'homme ancien pouvait dominer seulement sur les oiseaux, les poissons de la mer. Mais toi, tu vas dominer sur les esprits. Tu vas dominer sur la malédiction. Tu vas dominer sur la pauvreté. Tu vas dominer sur les projets de l'ennemi. Tous tes plans et projets de l'ennemi qui a planifié dans votre vie. Dans cette année, c'est toi qui es puissant. Je parle à un prince ce soir. Je ne te parle pas comme un pauvre. Je te parle comme un enfant de roi des rois. Je te parle comme quelqu'un qui a été sauvé par son Dieu. Oh, tu as un Dieu puissant. C'est pour cela, la Bible déclare. Dieu a déclaré, garde le silence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Oh, que la clé de la succès t'envahisse, parce que ton Dieu t'a rendu puissant. Comment? À cause du nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, quand il déclare, même tes ennemis sont humiliés. Il commence à reculer à cause du nom, parce que Dieu t'a rendu puissant. Alléluia. Il y a des gens qui ne savaient pas. Quelqu'un t'est haï comme ça, sans rien, sans raison. Parce qu'il voit comment ton Dieu t'a rendu puissant. Et ça dérange. Ne t'expose pas aux autres parce qu'ils sont jaloux comment Dieu t'a rendu. Ce qui est malheureux, c'est que nous sommes, il y a des fois, nous-mêmes, nous ne nous voyons pas. Et on veut voir. Mais Jésus a dit à Thomas, ne cherche pas à toucher mes plaies.
car erré celui qui n'a pas vu mais qui a cru. Moïse a eu grâce de voir son serpent transformé, son bâton transformé en serpent. Mais il ne savait pas que Dieu est capable de changer même la mer rouge en sang. Parce que Moïse était devenu puissant. Quand Pharaon a vu Moïse arriver, il a dit, oh non, c'est le petit Moïse que je connais toujours. Moïse, on est grandi ensemble. Moïse, même quand nous faisons la magie, tu étais même faible. Donc tu ne maîtrisais même pas la magie, c'est pour cela que tu as failli tuer quelqu'un. Parce que nous, chez les Égyptiens, si tu veux tuer quelqu'un, tu vas faire seulement des fétiches. Tu n'as pas besoin de prendre ton couteau. Avec nos missiles, on peut le faire. Toi, tu as tué quelqu'un. Voilà ta lâcheté, comment on t'a chassé. Mais ce que l'Égypte oubliait, ce qu'Israël oubliait, que le Moïse que tu connaissais, ce n'est plus le Moïse qui est arrivé. Oh, je parle de Benzoni qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaissait demain. Ce n'est pas le Benzoni d'aujourd'hui. Oh non, je parle. L'église Égyptienne de demain, ce n'est pas l'église Égyptienne d'aujourd'hui. Car Dieu t'a rendu puissant au nom de... Quand tu avances, même si tu sais que là, c'est la sorcellerie reine, marcher avec assurance. Ah, mon Dieu m'a rendu puissant. Ah non, je ne suis plus le même. Même quand tu vas, tu sais que là-bas, c'est un camp, je ne sais pas de quoi. Quand tu avances, soyez rassurés que j'ai un Dieu puissant. Non, j'aimerais t'affirmer, ta guerre contre Pharaon, il ne sera pas vaincu. Ah, ta guerre contre la sorcellerie, tu ne seras pas vaincu. Parce que Dieu t'a rendu déjà puissant. Tu ne vois pas qu'on te cite, mais tu ne changes pas, tu es toujours belle. Ah, les femmes, vos amens ne me convainquent pas. Tu ne vois pas que des gens attendent que tu pleures, mais tu n'as jamais pleuré. Alléluia. Quand Dieu te donne la force, tu te lèves. Parce que Dieu a ordonné que tu sois puissant. Un homme ne peut pas atteindre certaines dimensions spirituelles ou certaines autorités. Mais quand Dieu déclare, cela devient possible. Moïse n'était plus un homme identique. Quand même les Israélites, lorsqu'ils étaient délivrés, quand ils avaient faim, ils criaient à qui? Moïse, Moïse, on a faim. Lorsqu'ils étaient soif, ils criaient à qui? À Moïse. Et même quand même ils voyaient la mort, Moïse était rassuré. En disant que je suis plus le Moïse que vous connaissez. Les Égyptiens que vous voyez, des problèmes que vous connaissez, la maladie que tu sais, ce qui t'a menacé durant l'année 2020, oh, tu ne verras plus jamais dans cette année. C'est pour cela qu'il te dit, cette année c'est la restauration. C'est pour cela qu'il te dit, cette année c'est la restauration. Lui-même, il viendra réparer ta santé. Oh, lui-même, il va annuler tes rendez-vous. Lui-même, il va opérer ton problème. Dieu lui-même, il va s'élever pour corriger là où tu ne peux pas le faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il disait tout simplement, Moïse, appelle Dieu. Oh, quand toi tu appelles, il t'attend. Jésus savait devant la tombe de Lazare. C'est pour cela qu'il a commencé à dire de cette manière, Père, je sais que tu m'écoutes et tu m'exhortes toujours. Mais je le fais à cause de ces gens-là. Bandi Makate. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse. Tu as un couplet là. Qui dit que Jésus peut donner la vie même aux morts. Quand Dieu rend quelqu'un puissant, il a dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois, fils de l'homme? Ézéchiel a dit, non, je vois que les ossements sont chassés. Il n'y a pas la vie. La vie n'existe pas. Mais l'Éternel a dit, je t'ordonne de parler, de prophétiser. Oh, que tes paroles soient devenues dangereuses. Que tes paroles deviennent puissantes. Lorsque tu dis quelque chose, que les choses s'accomplissent. Lorsque tu appelles, tu déclares quelque chose au nom de Jésus, que les nouvelles choses commencent. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas. Nous, en Afrique, il n'y avait que la sorcellerie. Il n'y avait que les maraboutages. Mais le nom de Jésus est venu pour nous donner une force, nous rendre puissants, et que à mon nom, des maladies seront guéries. Est-ce que le nom de mon oncle peut sauver quelqu'un? Est-ce que le nom de mon père peut sauver quelqu'un? Mais Dieu m'a rendu puissant à cause de nom. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est merveilleux? Nous allons revenir encore dans Psaume, chapitre
Psaume chapitre 29. Psaume chapitre 29. Verset 11. Je lis la parole. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Alléluia. Attends, ne partez pas. Vous y êtes? Encore une fois. L'Éternel donne de la force à son peuple. Son peuple en lui procurant la paix. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non seulement au commencement, mais l'Éternel donne la force à son peuple. Ok, Dieu te bénisse, toi qui es peuple de Dieu. Parce que l'Éternel te donne la force. Oh, que quelqu'un qui commence à s'affaiblir, qu'il reçoit la force au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel donne la force. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Ah, l'embakate. Tobundisa et Matikakate. On lui combat, il continue à combattre toujours. On croyait que dans les années à venir, il va devenir faible, mais elle est toujours là dans la prière. Oh, on croyait qu'elle va abandonner Dieu. Parce que l'Éternel donne la force à son peuple. Il leur donne la paix après. Confie-toi à Dieu. La force augmente. Quand la force baisse, tu te confies. La Bible dit, il court. Il ne se fatigue pas. Il ne se relâche pas. Oh, tu as commencé à courir, mais continue à courir. Parce que l'Éternel te donne la force. Il y a même des gens qui ont, comment dirais-je, il n'y a plus de carburant. Mais le Saint-Esprit est une forte carburant dans votre vie. Il te donnera la capacité d'évoluer, de continuer avec Dieu, de marcher avec Dieu. Tu n'oublies même le nombre d'années depuis que tu es chrétien. Mais tu continues à percer parce que l'Éternel donne la force. Que la force entre à toi. Quand ton nom est devenu puissant, ce n'est plus la force, ta force qui va agir, mais c'est la force de l'Éternel. C'est pour cela, quand Moïse est arrivé devant Pharaon, il a dit, je ne viens pas à mon nom, mais l'Éternel m'a envoyé, libère son peuple. Alléluia. Bon, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, Dieu peut permettre que tu commences à une situation, mais pour que ça ne demeure pas éternellement. Alléluia. Je prêche quelqu'un. Alléluia. Dieu peut permettre que tu commences une situation difficile, mais Dieu ne permettra pas que ça dure éternellement. Que ton problème a une fin. Comme ça a commencé quelque part, ça finira un jour. Oh, je parle à un enfant de Dieu. Ton problème a une solution. Ça a commencé quelque part, ça doit prendre fin. C'est pour cela que la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ton nom a déjà changé. Cette année, ne pleure pas. Dis à Dieu, dis seulement, quand quelqu'un tu vois les attaques de combat, dis, Dieu a déjà ordonné que je suis devenu puissant. Celui qui veut jouer avec les années passées, cette année, non, vous ne pouvez pas jouer. Et j'aimerais te dire, si nous comprenons la puissance de la parole, on peut être même mordi, attaqué, blessé au combat, mais tu ne mourras pas. Ah non, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Corona ou pas, toi, non, toi non. Toi non. Alléluia. C'est pour cela que je disais, quand Dieu commençait à donner, ce que nous allons suivre cette année, la restauration divine, j'ai pensé beaucoup et j'ai entendu quelque chose. Mon peuple aussi était en Égypte. Quand Moïse frappait les Égyptiens, quand j'ai frappé les Égyptiens à travers Moïse. Alléluia. Des gens vont mourir de faim, toi tu seras dans la joie. Et si mon peuple a marché pendant 40 ans dans le désert, sans connaître l'isir même de leurs chaussures, quel mystère! Alléluia. Quand l'Éternel te rend puissant, même tes chaussures vont avoir mal à se déchirer, même tes vêtements. Imaginez s'habiller d'une même chaussure pendant 40 ans sans désir. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Mais laisse-moi te dire, je me le dis, interpréter un enfant de Dieu. Lorsque l'Éternel ordonne que tu deviennes puissant, n'oublie pas. N'oublie pas. L'Église, n'oublie pas. Dis à quelqu'un, n'oublie pas.
Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui opère à travers toi. N'oublie pas. Dis encore, n'oublie pas. Dis-lui, ce n'est pas toi qui va opérer, mais c'est Dieu qui va opérer en toi. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que Moïse était réellement devenu puissant, même en combat charnel. Lorsque Moïse levait ses mains, Israël ne pouvait pas échouer. Alléluia. Mais Israël a tout fait pour faire échouer Moïse. Oh Israël. Israël a tout fait pour bloquer la volonté de Dieu, la puissance de Dieu. Il a la puissance de Dieu qui existe, les gens bloquent ça, étouffent ça. Il dit non, Yete, c'est pas elle. Comment elle peut devenir puissante? La jalousie dans l'église, ça existe même. Dans les choses spirituelles, quand l'ennemi arrive, c'est Dieu qui opère, mais vous devez être jaloux. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Quand Dieu t'a donné l'autorité, quand Dieu te rend puissant, que cela soit pour la gloire de Dieu. Il y a même de ceux-là qui reçoivent la puissance pour souffrir l'autre. Que je devais puissant. La puissance peut être financière, ça peut être spirituel. Il y a même des gens qui sont là pour tirer les autres moralement. Aujourd'hui, ça devient même grave. Quand Dieu ordonne quelqu'un de devenir puissant, j'ai déjà connu ça. Même ta nourriture, quand tu manges sur Facebook, quand tu sais, parce que tu sais, ça coûte 1000 euros, ça coûte 200 euros, 300 euros pour faire souffrir les autres. L'autorité que Dieu a mis à Moïse, c'était pour sauver. Alléluia. Quand Dieu te rend puissant, passe aussi à l'autre, sauve l'autre. Si j'irai au ciel, alors les autres. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, Dieu a préparé des choses extraordinaires pour notre vie. Luc, chapitre 10, verset 18. Luc chapitre 10, verset 18. Vous y êtes? Je lis la parole. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jusqu'à 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un était distrait. Nous tous, on a compris. On peut acclamer encore pour la gloire de Dieu. Et ici, Jésus a déclaré que moi, je vis. Vous ne voyez pas. Mais je vis l'ennemi tomber comme un éclair. C'est pour cela, moi, je vous donne quelque chose. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je ne sais pas si quelqu'un croit à cette parole. Oh, l'autorité, première autorité, c'était pour dominer sur les oiseaux, les poissons. Mais Jésus nous a donné l'autorité parce que lui-même, il a vaincu. Il a vu Satan tomber. Aussi les maîtres tombés, que les sorciers qui menacent ta vie tombent au nom de... Si les maîtres a tombé, que la pauvreté qui menace ta vie tombe au nom de... Que toute opposition qui s'élève, qui vient de l'ennemi, que le diable utilise pour t'amener la guerre, cela tombe. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Bien aimé, sans exception, peu importe la manière dont l'ennemi s'élève contre ta vie, peu importe les obstacles qui touchent ta vie, Dieu t'a donné la victoire. Dieu, Jésus t'a ordonné que tu sois puissant. Alléluia. Oh, je crois que la puissance est en toi. Je crois qu'il a l'ordre là et à toi. Je crois que Dieu t'a donné l'autorité de dominer maintenant. Maintenant, lève-toi comme un soldat. Dis, je vais dominer au nom de Jésus. Lève-toi, dis, je vais dominer au nom de Jésus. Dis, je crois que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir
m'a été donné. Je suis puissant. Je suis puissant. Au nom de bien-aimé, maintenant commence à prier. Commence à appliquer cette autorité-là. Demande à Dieu, dis à Dieu, je suis puissant. Maintenant, tu m'as rendu puissant. Je reconnais que tu as donné l'ordre que je sois puissant de dominer maintenant sur toute autorité, sur tout pouvoir de l'ennemi. Ce qui dominait avant dans ma vie, maintenant c'est moi qui va dominer. Ce qui dominait avant, oh, dans mon foyer, maintenant c'est moi qui va dominer. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu, commence à déclarer, Père, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie et je déclare, car tu es puissant, tu es le Dieu qui agit. Seigneur, ce que l'homme ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas voler ou à réaliser, car je crois que tu es capable. Alléluia. Écoutez-moi bien. Maintenant, tout ce qui s'élève contre ta vie, toutes les forces que tu vois qui viennent s'opposer contre ta vie, déclare maintenant, je suis puissant au nom de Jésus. Comment s'avancer maintenant contre toute opposition, tout pharaon de ta vie, tout pharaon de ta famille. Commence à combattre. Nous prions, alléluia. Écoute-moi maintenant. C'est à toi maintenant d'attaquer. C'est à toi maintenant d'entrer, de retourner maintenant jusqu'à chez Pharaon. C'est à toi maintenant d'arracher la victoire. Dis-leur au nom de Jésus, je viens obtenir ma liberté.
au nom de Jésus. Je serai libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à réclamer, commence à faire tomber. Assurance, détresse, santé. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, il nous l'a donnée. Et je suis allé à paix. Oh, qui me séparera, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni unité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Écoutez-moi maintenant, écoutez-moi, écoutez-moi. Dis maintenant, mes enfants ne seront pas vaincus. Ma vie ne sera pas atteinte. Peu importe les armes planifiées contre ma vie. Maintenant je déclare, mon nom est devenu puissant. Jésus a changé mon nom. Si mon nom autrefois était malédiction, que mon nom change, commence à déclarer. Que le nom de ma famille change. Que le nom de mes problèmes change. Ni tribulation.